Après deux défaites consécutives face aux Noix et Rosés, les Lyonnaises se devaient de gagner sur leur parquet samedi soir. La Roche Vendée Basket, deuxième du championnat de Ligue 2 féminine, recevait Reims, cinquième du classement. Un duel au sommet qui devait permettre aux Lyonnaises de redécoller. Mais dans les deux premiers quart-temps, aucune équipe ne fait véritablement la différence. Reims colle au score tant et si bien qu'à la mi-temps, La Roche ne mène que de 3 points, 31 à 28. Durant la pause, Emmanuel Body remotive ses troupes et dans le troisième quart-temps, les Lyonnaises imposent leur rythme. Un rythme que les Rémoises ne peuvent pas suivre, elles se font distancer. Au début du quatrième quart-temps, le RVBC mène 50 à 38. Et malgré de gros efforts, Reims ne rattrapera pas ce retard. Au final, La Roche Vendée Basket s'impose 65 à 45. Notre marque de fabrique, c'est notre défense. Donc, c'est vrai que donc, c'est que 17 points en deuxième mi-temps. Je pense que voilà, la réelle performance, elle est là. On les met en situation d'échec sur beaucoup, beaucoup de tirs. Et donc, et perdre confiance vraiment au fur et à mesure de la deuxième mi-temps. Et tu sens que l'écart se crée tranquillement. Donc voilà, gagner de 20 points à domicile après les deux dernières défaites, voilà, c'est toujours très rassurant, ça c'est clair. L'écart de la fin de match ne reflète pas forcément notre partition. On est là à la mi-temps, la différence se fait sur l'adresse. Voilà, on est à 29% sur la totalité, donc on ne peut pas gagner un match. Voilà, je pense que La Roche est montée en pression sur la deuxième mi-temps. On a eu un petit peu plus de difficultés. C'est là où on rate nos paniers, et des paniers faciles en plus. Voilà. Après, je pense que défensivement, on était en place. Ce qui nous coûte cher, c'est aussi les 16 rebonds offensifs, parce que La Roche a beaucoup scoré sur les deuxièmes chances. Du côté des Lyonnaises, Bernadette Nguiza, Johanna Taillou et Sabrine Bounzena ont été les piliers de cette victoire. À elles trois, elles ont marqué 39 points sur 65. À l'issue de ce match, La Roche Vendée Basket occupe toujours la deuxième place au classement de Ligue 2.